Eh bien, c'est tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Little Hope avec l'épisode 5, évidemment, The Dark Pictures, le deuxième jeu après Men of Medan. On est parti. Allez, comme d'habitude, un casque ou des écouteurs. Mettez dans la meilleure des qualités qui vous est proposée. Et puis, on s'aventure. Nous nous étions arrêtés dans un lieu avec des mannequins. Ça inspire rien de bon. Cet endroit est une sorte de musée. La petite fille. Du calme. Je trouve ça bizarre. Fais attention. On ne revivra pas ce qui vient de se passer avec Angela. Vous en êtes certain? Je ferai tout pour qu'on s'en sorte tous les deux. Dès qu'on sortira, on ira rejoindre les autres. S'ils ont survécu. Ok, on est donc reparti. Je suis John et Alfouille et Andrew. Et on va évidemment oublier. Il y avait une gamine. Elle pourrait avoir qui un lien avec Marie. Certainement. Sûrement par ici. Mais comment et pourquoi, je n'en sais rien. Ça, tranquillement, on va peut-être pas ouvrir maintenant. Ok, on a des chaises ici. Hop, on va lire un petit peu, évidemment. Alors, ok, c'est sûrement l'histoire. Non, même pas. Oh, c'était vendu 8$, c'est raisonnable. Tout ceci reste amplement raisonnable. Ok, c'était sûrement l'histoire des sorcières qui était racontée, évidemment. On a des mannequins un petit peu partout. Ça risque d'être assez terrible. N'oubliez pas qu'on a perdu Angela hein, dans les égouts. Voilà, elle s'est fait embarquer. Elle s'est fait carjacker. Oh, salut mon frère. Ok. Ouais, bon, il n'y a rien pour l'instant. Il est où le Alfouille là? Il est déjà passé de l'autre côté de la porte? Ah, j'avais pas vu ça, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Ça, j'avais pas vu du tout. Ok. Alors, pourquoi? Oh non! Alors attendez, 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 attendez. On a un petit problème parce qu'en fait, il n'y a pas écrit. Et je vais pas vous faire la traduction, ça va être beaucoup trop long. Audio, affichage, ok. Sous-titres. Tous. Vous voyez, c'est ça le bug. En fait, c'est terrible. C'est terrible. Désolé, Alfouille. On va essayer de foutre les sous-titres là-dedans, là. Putain, mais c'est incroyable. Mais pourquoi tu veux pas me... Lis-moi ça, bordel! Ah bah voilà! Acte de renoncement. Illisible. Cet acte est dressé par le conseil le 7e jour du mois de janvier. Hein, deviendront la possession de son ancien contrat, cela ouvrira les coûts de hein, l'Angleterre, soit la somme de 20 livres, 7 shillings et 6 pence, et clorera ainsi hein, entre les familles. D'accord, un acte donc de renonciation. Il y a de l'argent en jeu, très bien, on continue. C'est quelqu'un qui est dans un sale état. Donc désolé hein, pour les quelques petites minutes perdues, mais au moins maintenant ça va le lire. Ah bon, on la reconnaît celle-là. On la reconnaît. Très très belle. Hein. Wow. Wow, 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 wow. C'est pour ça qu'ils ont tenu ce procès. Ah, j'ai pas vu. Des gens qui s'accoquinaient avec le diable. Ouais. J'espère qu'elle fout. Et la petite Marie a balancé tout le monde. Ça doit être la fille qu'on a vue. Amy Lambert, première accusée. Ça avait l'air Amy si réel. A été accusée de sorcellerie par la jeune Marie Milton, qui prétendait l'avoir vue voler sur une branche de saule. Quand la cour lui a dit qu'Amy avait été vue par des témoins à des kilomètres du lieu, Marie a déclaré « J'ai vu ses lèvres bouger pour parler à je ne sais qui et j'ai compris qu'il s'agissait d'un démon qui m'était envoyé sous la forme d'Amy. » Le révérend Carver a accepté ce témoignage comme preuve spectrale. D'accord. Intéressant qu'on a les sous-titres. Les gars, évitez les jeux buggés s'il vous plaît, on est en 2020. Il s'agirait de faire un tout petit effort. Alors, moi, Marie Milton, déclare dire la vérité quant au mal dont j'ai pu être témoin. Avant le jour du sabbat, Madame Amy
près du frêne a communié, et il s'est chié dessus à mon avis, un esprit ayant la forme d'un chien qui parle avec la voix d'un homme. Puis elle a tourné 3 fois autour d'elle-même et a accepté de servir l'esprit et de lui livrer les enfants du village. Ensuite, elle a confectionné une poupée à laquelle elle a jeté un sort afin de maudire quiconque. C'est le procès auquel on a assisté au poste de police. Ça y ressemble étrangement. D'accord, en fait, c'est une reconstitution de ce qui s'est passé. Ok. Hé ! Alors, Alfouillité. Regardez ça ! Je l'ai déjà vu. Où ? Sur la route, près du bar miteux où on est allé. Angela et moi, on l'a trouvé par terre. C'est là que Marie nous a surpris la première fois. Intéressant. Ce truc aurait vraiment plus de 300 ans ? Tout ici a l'air d'être faux, bidon, et peut-être que ça aussi. Mieux vaut ne pas y toucher, peut-être, non ? Mieux vaut ne pas y toucher. Vous... C'est qu'une poupée, on va peut-être pas forcer. On va d'ailleurs l'inspecter. Alors ! Il faut pas forcer les choses. Ça ne nous concerne pas. La poupée ici présente aurait initialement appartenu à une enfant dans les années 1600. On va pas y toucher, parce que de toute façon, ça nous permettra d'avancer en rien. C'est qu'une poupée, entre guillemets. Bon, je dis ça, mais bon, vous savez très bien que dans 30 minutes, tout va partir en couille. Et là, qu'est-ce qu'on peut avoir ? C'est là où Alfou, il s'est chié dessus, non ? Il y a eu un truc qui est passé, qu'est-ce qui... Non, je sais pas. Hop, il y a l'air de rien y avoir. Ils mettent des petites feintes, très bien. Attends. Et là, on a quoi, là ? Non, 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 non. Non, 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 non. Alfou, il vient là. Il y a une porte derrière, Alfou. Viens, 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 viens. Donc, en fait, toutes les petites flèches que vous voyez à côté du bouton A, ça veut dire qu'il y a une porte qui, en fait, skip. Ça veut dire qu'on va passer à une nouvelle scène. Et donc, on ne pourra pas revenir en arrière. Ah, dommage. Et ça, on va le relire parce qu'on l'avait pas lu avec les sous-titres. Pour le coup. Ok. Et c'est donc procès de sorcière de Nouvelle-Angleterre. Musée de Little Hope. Ok. On est donc au musée de Little Hope et ça raconte l'histoire de Little Hope. Donc, dans les années 1600, une petite fille a dénoncé des personnes du village comme quoi ils seraient maudits ou autres. Et ça a enclenché des jugements comme quoi c'était des sorciers, sorcières. Et donc, ils étaient tués. Et ça, c'était quand même assez terrible. On n'a rien là derrière. On n'a rien. Petit musée, hein, néanmoins. Petit musée, mais grande histoire. Hey, we can get out this way. Oh non, les gars, vous abusez. Un coup, on n'a pas de son, un coup, ça parle anglais, frérot. Mais où elle est passée, la petite fille ? Elle nous amène là et elle s'évapore ? C'était peut-être tout ce qu'elle voulait, nous mener à la poupée. C'est fait. J'en suis pas convaincu. On aurait dû prendre la poupée ? Non. Presque plus de batterie. Ça capte pas de toute façon. Alfouille et Taylor. T'entends ça ? Il y a eu comme un bruit, je sais pas trop. Hé ! Professeur ! C'est vous là-dedans ? Est-ce qu'on peut se tirer d'ici ? Ils sont où, les autres ? Oups, sûrement aussi paumés que nous. L'angle de tu crois qu'ils nous cherchent ? Possible.
Angela n'en a rien à foutre que je sois perdue. Ça, c'est sûr. Ça va le fouiller. Elle a un côté un peu sec, mais elle a bon cœur. T'en es sûr de ça? Oui, je la connais depuis longtemps. Plus longtemps que vous tous. Elle en a vraiment bavé. Oh non, c'est rien, c'est une fleur. Mais elle est pas si dure que ça. Ouais, admettons. Ah! Une grande maison, ça je reconnais. Une maison à problème. Je te parie 10 balles qu'il y a personne. Je touche pas à ça. Mais bon, c'est le premier bâtiment qu'on voit. On cherche l'entrée ? Comme tu l'as fait pour la boutique tout à l'heure ? Voleur, c'est ton nouveau passe-temps ? Non, mais je l'ai été dans une autre vie. Ok. Trouver un moyen de rejoindre les autres et rester ensemble. Entrer dans le bâtiment. Alors, Evie... Oh, non ! Ah ! Ah ! On peut pas passer. Ok, j'ai eu peur, c'est verrouillé, c'est bon. Je croyais qu'on allait directement passer à l'autre scène. La poubelle, on peut rien faire, elle fout, tu bloques un peu. Là, on a une petite charrette. On a une fenêtre, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. On n'a pas trop le choix, faut y aller. Hein. C'est une porte. D'accord, c'est verrouillé. Ok. Taylor, viens voir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas dû être visité depuis un bail. Oh, ouais. Et tu me dois 10 balles. Je te dois que dalle. J'ai pas dit que je pariais. C'est pas faux. Ça bouge. Je devrais arriver à l'ouvrir. On pourrait se concerter pour savoir ce qui se passe devant, mais on sait déjà ce que ça va donner. Ouais. Ben tiens. Ah, ah. Qu'est-ce que... Ah. Oh. C'est même pas le bruit qui m'a fait peur, c'est la caméra. Le mannequin. Très drôle. Viens plutôt me rejoindre. Trouver un moyen de rejoindre les autres toujours et rester ensemble, évidemment. Suis-moi. Par là. Ah, mais on est au musée! Ces trucs ont l'air tellement vrais. Ils me font flipper. Taylor? J'ai vu quelque chose. Tu vas où comme ça? Okay. Tu crois que c'est prudent? Non. Qu'est-ce que t'as fait encore? Je t'ai dit d'arrêter de toucher à tout. Peut-être ici? Où tu es? Ok. Alors attends, il vit sa meilleure vie ou quoi là? Oh les gars! Ça c'est l'entrée. Évidemment que non. C'est toi? Il a intérêt à s'en sortir. Taylor! Hop! Ça on va le revoir, on va partir du principe. Quoi? C'est devenu une Bible? Les gars? Rejetez vos fausses idoles et implorez le pardon de notre Seigneur Jésus. Taylor! Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Allez! Ah.
Ah, le fou, il fait pas le con. C'était quoi? Il y avait des voix. Allez, dis-moi la vérité. J'ai vu mon putain de double. Et elle m'a regardé. Fringuée, chelou, et elle parlait bizarrement. Je comprends pas. Désolé de pas avoir pu t'aider, mais... Cette fille, celle qui me ressemblait, ils l'ont traînée dehors comme une criminelle. C'était... Oh merde. Cassons-nous d'ici. Ouais, ok. Ok, bon, je sais pas du tout ce qu'elle a vécu. Elle a dû voir son personnage mourir, en fait, dans d'atroces souffrances. Un couteau, c'est pas la meilleure des idées, frérot, hein. Pas du tout la meilleure des idées. J'ai trouvé un couteau. Bah, sans déconner. Hein? Tu crois qu'on devrait le prendre? Tiens, garde-le. Oh, le bâtard! Pourquoi? D'après toi, Andouille, pour se défendre. Non, prends-le. Garde-le. Toi. Tu sais, au cas où. Garde-le toi, sale fou, va! Eh, me donne pas les problèmes! Dans ce jeu-là, en plus, on sait jamais ce qui se passe. Ok. C'est elle qui a le couteau. Eh, il est malin. Moi j'ai pas besoin, toi tu te défendras, moi je mettrai des patates frérot, c'est la rue ici. Ok, c'est bon, y'a plus rien. Alors, didadidadoum. C'est des très beaux mannequins. Ici c'est toujours fermé je pense, non? Sur un malentendu? Ouais, c'est toujours fermé. Ok, bah maintenant faut aller où il y a les mannequins. Allez, viens. Donc c'est devenu une bible hein, à gauche. Hein. Ça a changé. Putain de fils de pute. Let's go. Bon. Amy Lambert, on l'a déjà lu. Aucun problème à ce niveau-là. À savoir que regardez. Ah non, il y avait un faux plan. La planche de bois que j'avais dégagée tout à l'heure, elle était revenue. On va regarder ça. Oh là, j'avoue, je me suis chié dessus parce que c'était un... Ça, vous voyez, c'était un bon screamer. C'était pas trop violent, ils ont pas abusé sur le son, c'était subtil. Et c'est ça qui a fait que ça a très très bien marché, en tout cas sur moi. Quoi, y'a plus la... Alfoui ? La poupée ici présente aurait initialement appartenu à une enfant. Ok. Hey, regarde ça. C'est pas nous, oubliez pas qu'on l'a pas pris, hein. La poupée ici présente aurait initialement appartenu à une enfant dans les années 1600. Et boule. Merde, non, j'ai compris. La poupée manquante, ça doit être celle qu'avait la gamine. Tu crois? C'est trop bizarre. Trop bizarre? On nage en plein cauchemar, tu veux dire, oui. Hors de question que je reste ici une minute de plus. Je suis bien d'accord. Ok. On va examiner ça. Hep, 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 petit malin, là. Va regarder la fenêtre. Je sais qu'il va y avoir un bail à la fenêtre, c'est sûr. Ok, donc ça, c'est le jugement. On va rester là. On va faire genre, on le regarde. Pour que lui, il aille à la fenêtre. Ok, c'est bon. Et la fenêtre, non, y a plus rien. Ah non, y a plus rien à cette fenêtre, d'accord. Et ben on peut passer normalement à la suite. On est juste derrière les traces de... Suis-moi, c'est par ici. Sachant qu'Angela a disparu, le chauffeur du bus, toujours pas de son pas d'image.
Ah, bonjour. Alors, commencez-vous à y voir plus clair? Cette chose, quoi qu'elle puisse être, semble attirée par Angela. Inlassablement. J'espère vraiment qu'elle va bien. Un autre instrument de mort s'ajoute à la collection du groupe. Beau travail. Laissez-moi vous aider grâce à un modeste indice. C'est non ? Vous pensez arriver à percer le mystère sans aide. Les enjeux dépassent de loin la vie et la mort. Ne le prenez pas à la légère. Ah. Je vous laisse sur ces mots empreints de sagesse d'un grand dramaturge irlandais que j'avais rencontré à Paris, il me semble. Ne portez jamais de jugement hâtif. Chaque saint a un passé. Et chaque pécheur a un avenir. Ce n'est qu'une enfant. Nous en reparlerons plus tard. Ok, c'est très bizarre ça, non ? On dirait qu'on a de la chance. Voilà la route. Le prof et les autres doivent pas être loin. Espérons, on n'a vraiment pas eu de bol jusque-là. Alfouille est toujours Taylor et je suis Daniel. Ça n'a pas changer, trouver vos camarades et rester près de Taylor. Bon, on va la nana qui me ressemble. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être emmenée comme ça? C'est pas bon signe, c'est sûr. Mais il t'arrivera rien. Compte sur moi. C'est pas moi qui ai le couteau, elle se protégera toute seule. Hein. Alors! Dans cette maison vivait une jeune autrice prometteuse, Tilly Johnson, connue pour son roman gothique « Le traité des entravés » en 1856. C'est dans sa maison, que Tilly est décédée dans des conditions mystérieuses en juin 1858. Ok, en gros, il y a toujours eu des trucs très chelous. On va aller en face parce que je vois un petit panneau. Et qui dit petit panneau dit forcément qu'il y a... Oh, il y a un petit parc, c'est tellement mignon. Oh, oui, il y a même plusieurs trucs, attendez, oh là là. C'est la cata, là, non? Une carte postale. Genre, elle s'est jamais envolée avec le vent. Oh, shit. Ah! Ah, ben ça, c'est problématique, hein. Non, viens. Alfouille, derrière, Alfouille. C'est terrible. Il continue en plus, hein. Il se dit pas qu'il me voit pas au bout. Alors, première guerre intercoloniale, massacre de la remise des diplômes. Le jour de la remise des diplômes de 1690, tandis que les puritains fêtaient la fin de la scolarité des jeunes hommes de la ville, une armée de Français et d'Amérindiens attaquèrent brûlant plusieurs maisons. 8 hommes furent tués et plusieurs femmes et enfants furent emmenés et réduits en esclavage en Acadie. Le destin de ces esclaves demeure inconnu. Réduits en esclavage. Il y a une Marie, ok. Il y a une famille et hommes tués. Il y a un Isaac, c'est bizarre. John Titus, ok. Il y a des John, il y a beaucoup de noms hein, qui reviennent. Et ça, c'est fort problématique. Par contre, Alfou, il faut vraiment que tu viennes. Bon, hein. Allez, hein. Voilà, je suis là. Hein. Voilà, je vais lui faire des signes parce que... Allez, va là-bas. Allez, Alfou. Là, on a quelque chose. Bah alors, Alfou, tu vas où, là, comme ça, là, frérot? Tu fais du hors-terrain ou quoi? On a quelque chose. Une pancarte. Alors,
Ok. Avis de saisie, propriété de la banque, entrée interdite. Très bien. D'où est-ce qu'elle vient, cette voix ? J'en sais rien. Cette femme doit payer. Ah, ils essayent de faire en sorte pour que je la tue, non ? Ok, bon, c'est bizarre, il y avait une voix, mais... Je pense que ils essayent de faire en sorte que je la tue, peut-être. Viens par ici. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un pneu. Ça, c'est hallucinant. Je les connais, ces marques. C'est mon ancienne balançoire. Là, regarde. Hé, pas de panique, tout va bien. Non, ça va pas, tu comprends pas. Tu vois ces étoiles? C'est moi qui les ai peintes sur ce pneu, avec mon père. J'avais quoi, genre 10 ans? T'es sûre? Sûre et certaine, c'est ma vieille balançoire. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Ok, je te crois... Admettons que ce soit vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Reste calme. Peut-être que c'est pour me faire passer un genre de message? Hé, regarde-moi, allez. On va s'en sortir, ok? Ensemble. Ah, oh putain! Ce n'est pas ma faute. You must help me. I beg you. Please help me before it is too late. Plus un mot maintenant. Seul le Tout-Puissant peut te pardonner. C'est ton unique espoir de salut. Listen to me. I have committed no sin. The puppet I am condemned for is a child's plaything. Nothing more. I swear it. Tu ne me tromperas pas. Je vois le mal en toi. Mon devoir est de purger notre ville de ce mal. C'est le seul moyen. Tu seras pendu. Je prie, Seigneur, pour que tu prennes l'âme de notre pauvre sœur Tabata, qui a été fourvoyée par le démon. Que ta volonté soit faite. La femme qu'on vient de voir, c'était moi. C'est mon tour, là, ça y est. Oh. Il t'arrivera rien ce soir, compte sur moi. Merci. Heureusement que t'es là. Faut continuer vers l'église. Les autres sont sûrement là-bas. Ouais, sans doute. Alfouille et Taylor, je suis toujours Daniel. Bon, eh ben, écoutez, on va... Regardez, par contre, on avait vu l'esprit hein, qui allait vers moi. Et ça craignait un petit peu. Je vais quand même inspecter tout cela. Voilà, c'est un beau pneu, ça c'est du Michelin. Ok, on est sur du 17 pouces. C'est un classique, hein. C'est un peu ancien, mais ça fait le boulot. Ça fait le boulot. Et qu'est-ce qu'on a là-bas? Ok, on n'a rien. Il a juste voulu checker. Très bien. C'est dommage, il n'a pas vu la prémonition que j'ai vue. Bon, après, c'était moi qui étais dans la merde, donc on va faire... On va essayer de faire en sorte qu'on s'en sorte, évidemment. Là, on arrive... Hé, par ici. Chat ? J'ai l'impression qu'on est suivi. On est vraiment suivi. Hé ! Tire-toi tout de suite ici ! Dégage de là ! Dégage ! Ah, mais il flotte ! Oh merde, qu'est-ce que c'est que ce truc ?